Bonjour et bienvenue chez Wildas. Ce matin, je vais vous présenter notre gamme de coussins de confort pour moto. Alors, Wildas, comment ça fonctionne? C'est très simple. Quand on roule à moto, on a parfois des douleurs qui apparaissent après plusieurs heures de route. C'est un ressenti qui est très personnel. Certains n'ont jamais mal, certains ont mal au bout d'une heure. Ça dépend de l'anatomie, ça dépend des selles de moto, ça dépend de la position, ça dépend de la conduite, ça dépend de beaucoup de choses. Quand on est assis sur une selle de moto, on a deux points de pression des fesses sur la selle. D'accord ? Ce sont en général ces deux points sur lesquels l'ensemble du poids du corps en fait repose, qui deviennent douloureux. Les coussins Wildas sont issus d'une technologie médicale et sont en fait des coussins, des reproductions des coussins anti-escar. Les coussins anti-escar qui sont très importants pour les personnes qui sont alitées ou les personnes en fauteuil roulant. Le phénomène qu'on ressent de douleur quand on roule à moto est en fait... Ce sont en fait les prémices de l'apparition d'escars. C'est-à-dire qu'on a d'abord un engourdissement, ensuite une douleur, et puis plus tard, évidemment, des escars qui apparaissent. Ce qui n'est pas le cas en moto, mais c'est le même processus. Donc, ces coussins, comment ça fonctionne? C'est très simple, je vais vous montrer. Vous avez à l'intérieur un coussin qui est constitué de bulles d'air. D'accord? Les bulles d'air communiquent entre elles. Vous êtes assis sur le coussin, et les deux points de pression, en fait, vont être répartis sur ces bulles d'air. Comme l'air circule d'une bulle à l'autre pendant que vous roulez, sans qu'on s'en rende compte, c'est complètement inconscient, on n'a absolument rien à faire, la circulation du sang dans les fesses est stimulée en permanence grâce à la pression de l'air. L'effet est que nous n'avons plus en fait ces deux points de pression douloureux, parce qu'en circulant, le sang fait disparaître ces douleurs. Voilà. Donc ce système-là est un système qui fonctionne extrêmement bien, et qui vous permet de rouler pendant des heures sans avoir aucune douleur. Les coussins Wildas sont disponibles en trois matériaux. Polyuréthane plus gel et néoprène. Les trois matériaux sont différents et à réserver pour des usages différents. Le premier matériau en polyuréthane est le coussin d'entrée de gamme. C'est celui qu'on conseille à ceux qui roulent quelques semaines par an pour les vacances par exemple, ou qui partent pour des sorties occasionnelles. C'est le meilleur rapport qualité-prix. Le second coussin, polyuréthane plus gel, polyuréthane 3 couches, à l'inverse de celui-ci qui a une seule couche, le polyuréthane plus gel est à réserver aux conduites très sportives. Je vous explique. L'intérêt du polyuréthane plus gel, c'est que vous avez à l'intérieur des petites bulles. Ici, vous avez des petits inserts en gel, comme vous voyez, qui sont bleus. Ces inserts en gel vous permettent, lorsque vous retirez complètement l'air du coussin, d'avoir à la fois un excellent feeling sur la moto et donc de pouvoir conduire de façon sportive, pour souiller par exemple quand on arrive en zone montagneuse, tout en ayant sous les fesses, entre l'assise et la selle, le confort des pas dans gel. Donc vous avez le meilleur des deux mondes. Sur les grandes distances, vous avez une liaison à faire de plusieurs centaines de kilomètres, vous gonflez le coussin et vous profitez du confort à air, et quand vous arrivez en mode arsouille, vous dégonflez le coussin et il vous reste encore le confort du gel. Le troisième coussin, qui est le coussin en néoprène, est directement issu des technologies médicales. C'est la même qualité que les coussins d'origine en fait, de ce système Wildas, qui sont en fait des coussins anti-escar, qui sont eux aussi faits en néoprène. Donc ce coussin-là, lui, est destiné aux très très gros rouleurs. Si vous partez faire un tour du monde, si vous partez sur plusieurs mois de voyage, si vous avez vraiment vraiment beaucoup de kilomètres à avaler et que vous voulez un confort absolu, ce coussin est ce qu'il vous faut, tant en termes évidemment de confort que de durabilité. Les coussins Wildas sont disponibles en trois formats, trois formes différentes qui s'adaptent à la majorité des selles de moto. Le premier coussin est le coussin qu'on appelle pilion. Pilion, ça veut dire passager. Ce coussin-là, avec sa forme rectangulaire, est donc parfait pour s'adapter sur les selles passagers, sur les selles arrière, et s'adapte également à de nombreuses selles qui sont droites et longues. Par exemple, les selles de motocross, par exemple, les selles de supermotard. Le second format est le format qu'on a appelé Smart. Ce format-là est adapté aux cruisers, aux custom et de façon générale aux motos qui ont des selles larges, GT par exemple ou grosses routières. Ce coussin s'adapte parfaitement sur l'avant au réservoir et permet d'avoir une assise vraiment large pour couvrir l'ensemble de la selle. Le troisième coussin s'appelle le sport et sa forme s'adapte parfaitement aux selles de sportives
de roadster et de la plupart des trails. Sa forme effilée permet donc de couvrir parfaitement l'ensemble de la selle sans déborder sur le côté et d'avoir une assise parfaitement confortable. L'ensemble de nos coussins ont évidemment sur le dessous un revêtement antidérapant qui permet en fait au coussin d'adhérer parfaitement sur la selle et de rester parfaitement en position, en plus des sangles qu'on vous montrera et qui viennent ici se ranger dans les encoches et passer ensuite sous la selle. Voilà donc les trois formes disponibles, le sport, le smart et le pilon. Le gonflement du coussin s'effectue à l'aide d'une valve dans laquelle il suffit de souffler. Il est important de ne pas trop gonfler le coussin afin de permettre la libre circulation de l'air entre les différents compartiments pour obtenir un confort optimal. Vous pouvez ensuite replacer le coussin dans son insert et refermer avec la fermeture éclair. L'installation est tout aussi simplissime. Passez les deux sangles fournies dans votre kit d'installation dans le remplacement, retirez la ou les selles de votre moto. Vous avez ensuite deux méthodes pour installer vos coussins. Vous pouvez comme ici utiliser la sangle velcro pour scratcher autour de la selle et installer le coussin dans la position de votre choix. Vous pouvez également utiliser l'élasticité des sangles pour faire le tour de votre selle. Tous les modèles ont le même processus d'installation. Il ne vous reste plus qu'à réinstaller votre selle sur votre machine et profiter de la technologie offerte par Wireless.